In this video, we're going to talk about perhaps the most iconic French playwright that ever existed, Molière. Salut, I'm Marie, I am a French native teacher and I help French learners to understand and use the French language. If you are serious about learning French, join us on the French Club to know more about how to learn French and get notified of each new videos and workshops. Just as English is Shakespeare's language, French is Molière's language. But where Shakespeare's most notable contributions were plays of incredible tragedy, Molière's were quite the opposite, and that's what makes them incredibly unique. At the core of Molière's work is language, beautiful wordings and rhymes. Molière writes comedy, but he writes it almost like a tragedy, with wit, play on words, and beautiful rhymes. But what makes Molière iconic is the difficult balance of comedy and reality. Molière doesn't just write to make people laugh, he writes to tell stories about the world around him. Today, we are going to read a scene from Tartuffe. Tartuffe is perhaps the most famous of all of Molière's plays, and it tells the story of a man, un bourgeois, who is under the influence of a mean character, Tartuffe. Tartuffe is a fake priest, and what he really wants is money and power, and he manipulates to get it. Hopefully, not all the family is duped by him. In this scene, Orgon, the bourgeois, just announced to his daughter, Marianne, that she will be marrying Tartuffe. Marianne obviously loves another one, and she sees no escape to this disgusting match. So she silently accepts it. In this scene, her maid, Dorine, is going to try to reason with her, and she has a few tricks up her sleeves. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle, souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui? Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant-celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui que le mari doit plaire. Que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de ne rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour ton injustice est grande, Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur, et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Bah, que sais-je si le cœur a parlé par la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais grand tort, Dorine, d'en douter, et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Mais enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême, et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlaient également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langages. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes, et dans l'occasion, molly, comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? L'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourrufier fait, qui s'est de son Tartuffe entièrement coiffé, et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux, par le monde, éclatent? Non. Non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe, et j'aurai, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Or, quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux, mais Monsieur Tartuffe, oh, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe a bien prendre la chose. N'est pas un homme non qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri.
Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu, quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme. Ah, cesse, je te prie, un semblable discours. Contre cet hymen, ouvre-moi du secours. C'en est fait, je me rends, je suis prête à tout faire. Non, non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, quand oncle et cousin vous trouverez fertile. Et vous vous plairez fort à les entretenir, d'abord, chez le beau monde dont vous fera venir. Vous irez visiter, pour votre bienvenue, madame l'abbaye, madame l'élu, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Et là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir deux musettes, et parfois fagotins et les marionnettes, si pourtant votre époux... Ah, tu me fais mourir de tes conseils, plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Et Dorine, de grâce, oh, il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille, non. Mais si mes vœux éclataient, par point, Tartuffe est votre homme et vous en tâterez. Mais tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi, non. Vous serez, ma foi, tartuffiée. Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide et je sais de mes mots l'infaillible remède. Eh là là, revenez, je quitte mon courroux. Il faut nonobstant tout avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point, on peut adroitement empêcher. Mais voici Valère, votre amant. This is the scene that I actually performed on stage in my drama days, so it made me quite happy to read it again and share it with you. If you loved it, if you want to know more about Molière's universe, there is a movie called Molière, and I believe it's on Netflix. The movie is fictional, it's a clever mashup of several of Molière's most famous plays. If you can watch it, do so, it's incredibly funny. You can also take a look at La Comédie Française, their YouTube channel, where you will find readings of entire plays with the actors that played them on stage. If you want more French readings from me, I have a whole playlist that you can click here, and I say to you, à la prochaine!